Là, nous avons un centre de vote qui est en face de la cathédrale de Port-au-Prince, l'ancienne cathédrale. Là, nous dit c'est là que moi-même, personnellement, je suis supposé voter. Donc, c'est Saint-Louis. Nous avons S-I-O, S-I-N-T. Nous jouons Nabgade. Nabgade, parce que jusqu'à présent, nous jouons non-nous. Mais nous avons supposé jouer là. Mais nous avons Saint-Louis-Adeline, nous avons Saint-Louis-Anne, Saint-Louis-Daphné, Saint-Louis-France, Saint-Louis. Bon, nous ne jouons pas non. Saint-Louis-Edma, Saint-Louis-Marie. Nous avons équipe Saint-Louis là, mais nous ne jouons pas. Mais Saint-Louis-R. Donc, nous arrivons dans R. Après R, c'est à Saint-Louis V, nous pas joigné. Donc, on est à Saint-Marc. Il semble que non, pas là. Il semble, malheureusement. Mais bon, sinon, pas là, peut-être que c'est de l'autre côté, c'est dans l'autre local qu'ils ont mis. Peut-être que l'autre côté. Il y a un peu de monde qui est arrivé justement, ils viennent chercher Noël là, il y a un monde qui a compris de ça. Ils n'ont pas joigné Noël dans la liste électorale. Alors, il faut nous déjà sous liste ça. Sinon, pas sous liste là, on ne peut pas voter. Bien que vous ayez 4 électorales en amont, on ne peut pas voter parce que justement, non, pas sous liste là. Nous ne pouvons pas garder encore. Nous pas font... Allez, voilà, voilà, finalement, heureusement que le caméraman de Carlos Sentilo reconnaît, il va nous joindre Saint-Louis Valério. Donc nous là, nous bien inscrits dans le centre de vote, ça, Saint-Louis Valério. Donc nous avons 4 électorales, nous allons voter. Voilà, on a trouvé le nom. Ok, je vais dire. Non. Dans le bureau de vote, ça, nous-mêmes personnellement, c'est là que nous avons supposé voter. Donc 4 électorales, nous avons mis nous, un petit 4 là. Nous allons regarder le processus en qui je le fais. Je suis devant là, dans le mur, il y a affiché tout le monde qui a enregistré dans le bureau de vote pour voter. Je me regarde, je n'ai pas trouvé le nom au départ, mais juste après, eh bien, grâce à la caméra, Manu Carlos Sentilo, qui a plus bon yeux passé, il y a un nom et nous avons Saint-Louis Valério, donc c'est là que je suis supposé voter. Et dans le bureau de vote numéro 061, c'est le numéro de vote là, et ce bureau de vote là, et voilà, nous identifions. Donc nous allons regarder. Et qui je le fait, vous présentez le cadre électoral, vous identifiez, vous êtes sous la liste là, et juste après, vous passez dans le processus électoral. Bonsoir, messieurs qui j'en ouye. N'a pas regardé si nous capables voter. Bonsoir, ça va. OK, qui j'en processus en fait, on tout parler pendant que n'a fait là, qui j'en nous fait processus là, évidemment me saute dans mur là, m'a regardé moi si me joindre non moins, il était difficile mais moi joindre quand même. Et deuxième étape là. Bon, justement processus là, c'est l'homme n'a pas 4 là, c'est vérifier si non il gain rapport avec liste qui dans mes noms. Okay. On ça veut dire que c'est première étape là. Ça veut dire que non là c'est Saint-Louis Valério. Nous allons vérifier pour nous voir si nous sommes Saint-Louis Valério. Pendant qu'on va vérifier, nous avons rappelé que nous sommes deux, nous sommes dans la liste, nous sommes dans le nom écrit. Et nous sommes tous à côté de nous, nous sommes mis le bureau de vote BD61, qui est le bureau de vote. Je pense que c'est là que nous sommes. Et nous cherchons toujours, jusqu'à présent, nous avons essayé d'identifier nous. Vous avez joué? Voilà. Saint-Louis Valério. Non, on nous joigne. D'accord. Oui, nous joignons. C'est-à-dire qu'on peut vérifier là. On... Donc, si pendant que nous avons 4 électorales, nous ne pouvons pas joindre, ça veut dire que nous sommes dans un mauvais bureau de vote. Bon, nous ne pouvons pas dire que nous sommes dans un mauvais bureau de vote. Ça qui arrive, peut-être qu'on va glisser. Mais généralement, nous ne pouvons pas vraiment joindre un cas pour jouer un vote. Ça. En tout cas, merci chanceux comme ça. Nous joignons. Non moins, depuis Soumia jusque là, dans le bureau de vote, ça, nous jouons dans le cas que Saint-Louis Valério est capable de voter dans le bureau de vote. Ça. Est-ce que d'habitude, pendant la journée, pendant que la journée a déroulé jusqu'à présent très bien, d'après ça, nous, est-ce que nous jouons des gens qui viennent et qui ne pas jouent nous, qui peut-être malheureusement gagnent ou ça arrive, je veux dire? Bon, ça veut dire que pas vraiment, nous ne pouvons pas jouer le cas pour jouer aujourd'hui. D'accord, ok. Et jusqu'à présent, tout va bien passé? Jusqu'à présent, tout va bien passé. Très bien, ok. On y a là, nous pourrons le faire se déplacer pour être capable de filmer justement. Nous pourrons regarder. Nous parlons pas à vous tout à l'heure. Bon citoyen là qui a deux, trois mots qui pourraient le nous. Et juste avant maintenant, ça c'est. Donc, on y a là, ça c'est liste candidat. Liste candidat. Ça est pour député. D'accord, pour député. D'accord. Donc, je dis à là, nous avons voté pour député, sénateur et président. Oui. D'accord. Ça c'est liste président, candidat à la présidence. Ça c'est liste président. D'accord. Donc, monsieur, ça, ou signe, le signe, ça veut dire. Président, président, de, qui doit signer. Il y a deux signatures pour gagner. Bulletin Babo. Si nous va signer. Il faut gagner deux signatures pour bulletin votant capable, vice-président, président, pour le valider. Très bien. Apprécier ça, nous avons expliqué le processus vraiment bien là, il est clair devant nous là. Donc, à chaque fois qu'on vous signe, et vice-président, il signe tout, et puis c'est le ça que nous sommes capables d'aller pour le voter. Donc, ça, c'est pour la liste des, on a, c'est la liste des sénateurs. D'accord. Sénat, c'est ça. Ok, encore une fois, c'est président Capsien Kounia, président bureau de vote, on dit.
Et juste après que le fin signé, il y a un deuxième monde qui peut signer, c'est le vice-président du bureau de vote, qui peut valider le bulletin de vote ça avant que moi-même, moi prenne ma l'idée et isoloir là pour être capable de voter. Donc, on a besoin de signature vice-président. Voilà, c'est ce qu'il fait, il a signé là. Deux bulletins de vote, alors il y a trois différents votes qui ont fait là, député, sénateur et président de la République. Voilà. Donc, processus censé marcher. Voilà, donc ça c'est le choix que mon a bien pour le faire pour trois différents. D'accord. Vous nous parler isolo là, moi isolo là différent fois ça. Quel est le plus moderne fois ça, n'est ça. Voilà, isolo là beaucoup plus, c'est évident que isolo là beaucoup plus moderne. D'accord, il pas filmer ça, il pas filmer vote là, le vote est secret évidemment. Les gens ça faire prise de vue moi même qui a voté. D'accord, là nous aller pour président. Nous va voter pour président et plusieurs candidats et n'a regarder pour nous. Là encore une fois, c'est un moment historique. J'ai le plaisir rempli de voir ça en tant que citoyen haïtien parce que c'est un privilège. En plus, nous tournons dans la diaspora. Il faut me rappeler nous, nous-mêmes, tout nous capables de faire ça qui n'est même pas haïtien américain ou bien qui n'a pas changé de nationalité, yo, puisque la loi n'a pas pour voter. Nous capables de faire exactement ça que nous faisons là. Nous prenons avion, nous prenons ticket d'avion, nous descendons dans le pays. Nous venons remplis de voix citoyens nous, comme haïtiens à part entière. C'est ce que je fais là maintenant. Voilà, maintenant, bon petit homme qui a voté pour président. Attention, un peu de suspense. Nous avons plusieurs candidats là. Moi, je vais voter pour. Attention. Voilà, voter pour président. On va voter pour sénateur. Le vote est secret évidemment. Qui sénateur que m'a choisi pour voter pour lui, il y a plusieurs. Et voilà. Et puis maintenant, c'est pour député, pour qui député que m'a voté. Là, il y a trois députés donc nous gagne une que n'a voté quand même ou bien n'a fait abstinence. N'a fait abstention, pardon. Voilà. Le vote a été fait. Et l'offre de voter, il faut plier le bulletin de vote pour déposer dans l'urne. Ok, on plie. Faut plier. Ok, on plie. Okay. Ça a plié bien, ok. On va plier ça. La même chose. La même chose, d'accord. Merci. Voilà, processus qui j'en fait, ou passer des isoloirs là, ou rempli de voix civique, ou voter, et puis qu'on a déposé vote là dans l'Union. Nous sommes votés pour président, nous sommes votés pour sénateur, qu'on a la dernière vote là, on a voté pour député, et puis voilà. Voilà, ceci dit, ceci fait, comme citoyen haïtien, je remplis de voix civique, et je pense que je suis très fier, je suis très content que je suis capable de faire. Je représente tout le monde qui est dans la diaspora, qui n'a pas fait ça, je représente nous tous qui n'ont pas de cavini et qui n'ont pas de café. Et bien, je dis à voter pour nous tous. Évidemment, je n'ai pas choisi pour nous, mais je représente nous en tant que citoyen qui a voté. D'accord, et puis là, on a la continué, là, on a fait un signe, on a fait un signe. D'accord. Non complet. Mon nom complet, ok. D'accord, vous avez formé écrit nom complet. D'accord, certainement. Je vais vous faire. Ok, là. Là, maintenant, on doit écrire son nom. Allez, yo. Saint-Louis. Ok, fini écrit nom. Bon, c'est trempé, doit être là qui problème, non? C'est mes doigts là? Net. Et pour qui ça nous fait ça? Pour gagner accès encore pour voter. Pour moi, on n'a pas retourné voter. De toute façon, on doit aller et le retirer. Il n'a pas fait ça. Ça, il n'a pas besoin de sortir. Non, il n'a pas besoin de sortir. Pendant le journal. D'accord, merci en pile. Messieurs, merci en pile. Adid voted today. Nous votons pour président, sénateur et député. Merci en pile. C'est l'image sous place. Je pense que tout haïtien qui est capable de faire, qui en Haïti, c'est sûr, qui est capable de faire, fait lui. Ça qui est dans la diaspora, qui a 4 électorats, il y a même 2 qui sont capables de faire. Voilà, c'est important. Il y a 4 ça, moi, maintenant, pile. Merci en pile, messieurs. D'accord.